Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Michel Platini qui tacle le PSG. Michel Platini tacle le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon pas de foot. donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fonds de partie. Alors, quand je disais donc Platini tacle le PSG, quelle est sa raison Pour lui, le PSG empile les stars, le PSG empile tous les meilleurs joueurs en pensant gagner la Ligue des Champions. Selon lui, ce n'est pas parce que tu empiles tous les meilleurs jeux que tu vas remporter la Ligue des Champions. Quelque part, on peut lui donner raison parce que qu'on avait le Real de les Galaxies de 2002, 2003, 2004. Ils n'ont quasiment rien gagné. Lorsqu'il y avait les Figo, les Ronaldo, les Wayne, c'est qu'il n'a rien gagné. Et du coup, Don Pérez a retenu la leçon. Il ne recrute plus trop du bling-bling. Il panache, il met du bling-bling. Et ensuite, il met quelques joueurs qui apportent un plus en neuf. Ce n'est pas parce que tu recrutes les joueurs de grande qualité, les joueurs, les stars que tu vas remporter les titres. Pour remporter les titres, il faut d'abord une structure, il faut une institution, il faut un bon management, il faut aussi que les dirigeants soient compétents. Parce qu'apparemment, c'est comme si les dirigeants du pays ne sont pas compétents pour eux. Tout ce qui les intéresse, tout ce qui intéresse les dirigeants du PSG, c'est le marketing, c'est vendre les maillots, etc. C'est faire de l'argent au détriment du sportif. Donc, c'est un peu ça. Quelque part, on peut donner raison à en... Michel Platini. Mais le PSG, s'il veut remporter la Ligue des Champions, il doit changer la politique. Il doit vraiment changer la politique. Parce que s'il continue avec la même politique, c'est-à-dire recruter les stars sans plan de jeu, sans projet derrière, ça sera compliqué pour eux de remporter un titre. La scène continentale, notamment la Ligue des Champions. Donc voilà ce que vous voulez partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. ce si se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.